Bonsoir à tous, donc on est sous le stand de Bali avec Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir et bienvenue à la Martinique. Merci. On est bien chez Bali. Aujourd'hui, on va vous présenter justement les deux belles nouveautés de la maison Bali, avec notamment notre Brut de Fût qui est là. Brut de Fût 2004, qui donc est un 18 ans. Non réduit justement et à 53 degrés 7. Alors là, il reste plus beaucoup dans le jus, mais il est vraiment en fait très intense, que ce soit la couleur ou en bouche. Il a eu du succès. Ouais, et il a énormément de succès cette année. C'est vrai qu'il est très demandé. La plupart des gens viennent en disant « Il est où le Brut de Fût Bali ?» Et après, on a cette petite pépite qui est la cuvée en fait, pour l'anniversaire, les 100 ans de Bali. Petite, majestueuse, grosse pépite. Quand on voit le coffret, quand on voit la bouteille, il y a vraiment un très très beau travail dessus. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Ouais, c'est un vrai travail presque d'orfèvrerie quand on regarde justement le coffret qui reprend en fait le style art déco qu'on connaît bien à Bali. Vous avez en plus le petit bouchon d'apparat qu'on peut voir au-dessus. On a vraiment en fait travaillé chaque détail. Ce qui est super, c'est qu'on voit que tout est pensé. Là, on a un bouchon, attention, sur le... Alors, je vais toucher pour nous. Wow. Il y a de la qualité chez Bali. Oui, franchement, c'est... Et après, donc... Ça pèse. Il y a un bel objet, mais pas que. À l'intérieur, tu as un liquide incroyable. D'accord. C'est en fait un petit morceau d'histoire qu'on vous propose. Parce que dedans, on va retrouver en fait un rhum de 1929, 1939. Je vais vous faire l'énumération de toutes les années. 55, 70 et 2008. D'accord, donc on est vraiment sur les grands millésimes Exactement, c'est ça. On a voulu mettre tout ce qu'il y avait de meilleur de Bali. Et alors la petite anecdote, en plus, que je trouve sympa, c'est qu'il y a pas mal de millésimes en fait qui sont antérieurs en fait à la création de l'AOC agricole Martinique en 1996. Donc c'est fou, c'est des choses en fait, on sait à peine comment ça a été fait et on a le pouvoir de toucher ça du bout des doigts. C'est vraiment, c'est ceux qui ont pu goûter sur le salon, parce qu'effectivement, vous l'avez à dégustation. On l'a mis en dégustation parce que certes c'est un bel objet, mais le but c'est que justement tout le monde puisse toucher un petit peu du bout du doigt l'histoire de la maison Bali. Et pareil, certes c'est un bel investissement quand vous l'achetez, tout à fait. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est aussi vendue du coup avec un petit échantillon justement. Permet, parce que c'est pas tous les jours qu'on claque autant de thunes sur un bel objet comme celui-ci. Donc tu as le temps de le contempler et de pouvoir quand même un peu tremper les lèvres dedans. Tout à fait. Ben, c'est une belle idée en fait effectivement d'avoir à la fois la carafe. Oui. Qu'on peut garder jusqu'à et goûter dans le temps, mais aussi d'avoir le petit sample pour pouvoir goûter de temps en temps et savoir ce qu'on a acheté aussi. Convaincre surtout un ami d'acheter la sienne. Comme ça, tout à fait. Tu économises. Exactement. Mais c'est parfait. Après, il y a d'autres produits qu'on connaît déjà, le 12 ans, c'est le 7 ans, qui sont de très beaux produits aussi chez Bali. Tout à fait, les grands classiques. Hein. Moi, j'adore surtout proposer le blanc. Pour moi, il faut toujours montrer en fait l'essence de notre métier, la canne à sucre. Là, la fraîcheur, elle est tellement sublime. Ce serait dommage de ne pas la faire déguster. Tout à fait. Mais en tout cas, merci Morgane de nous avoir reçus sur le stand. Et on se dit à bientôt éventuellement sur notre salon et puis éventuellement en Martinique. Pourquoi pas? Voilà. Je fais bien un peu de soleil. Il n'y a pas de souci alors. Encore merci et puis à très bientôt. Bye bye.